L'entrée de la salle des audiences du palais de justice du plateau s'est trouvée exiguë ce samedi 11 octobre. Les membres de la Chambre nationale des huissiers de justice de Côte d'Ivoire n'ont pas voulu manquer la toute première assemblée générale de leur association avec pour thème l'huissier de justice au service de la bonne gouvernance. Occasion pour le président de cette association, Olivier Cattier, de faire le bilan de son mandat. Nous avons atteint à 100% les objectifs fixés. L'obtention du décret d'application de la loi 97-514 du 4 septembre 1997 relatif au statut des huissiers de justice par le décret numéro 2012-15 du 18 janvier 2012. La création justement de l'école régionale de procédure Valérie Aoussou, dont la pose de la première pierre a eu lieu hier, vendredi 11 octobre 2013. L'assurance professionnelle, responsabilité, maladie et autres signés, la cité des huissiers de justice de Courat-François, dont la pose de la première pierre a eu lieu le vendredi 11 octobre 2013. Pour les représentants du président de l'Assemblée nationale et du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, un accent doit être mis sur l'organisation de ce corps de métier en vue de parvenir à une justice solidaire et plus crédible. Message bien perçu par le président de la Chambre nationale des huissiers de justice de Côte d'Ivoire qui entend lancer dans un bref délai une opération de recensement des acteurs de la corporation sur l'étendue du territoire national.